Mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs de la chaîne préférée RTJVA, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous espérons que vous vous portez bien et que chacun s'est bien réveillé ce matin. Voilà, nous sommes encore de retour pour cette émission, notre émission, votre émission Sport et Santé. Le sport et la santé marchent de pair. C'est pourquoi nous sommes là encore pour nous entretenir sur ce sujet. J'ai pour invité mon bien-aimé Tchikou Sena. Bienvenue. Bonjour, pasteur. Bonjour à la RTJVA. Oui. Aux téléspectateurs qui sont fidèles à cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Depuis votre retour de l'Allemagne, c'est la première fois que vous arrivez ici. Vous étiez en Allemagne pour l'Euro. Vraiment, félicitations. Hein. Merci beaucoup. C'est pas donné. C'est pas donné. Vraiment, on a suivi avec attention tout ce que vous avez fait de l'autre côté. Ouais. Que Dieu vous bénisse. C'était une très belle expérience, en tout cas. J'espère. Ouais. Mm-hmm. Merci. Sans tarder, je crois que le sport, oui, vous en faites, hein, parce qu'on en a besoin pour la santé. Pour la santé, et d'ailleurs, la Bible dit clairement que ce que Dieu souhaite pour nous, c'est ce qu'on soit bien portant à tous égards. Voilà. Donc, je pense que Dieu, si c'est important pour Dieu, ça doit être important pour nous. Voilà, si c'est important pour Dieu, c'est important également pour nous. Si Dieu en parle, je crois que c'est très important que chacun de nous puisse donner cette tâche pour pouvoir faire le sport. C'est le produit ou le médicament qu'on a sans débourser de l'argent. Pour moi, il y a deux médicaments principaux dans la vie, l'eau et le sport. Voilà. L'eau et le sport, voilà ces médicaments principaux. Buvez de l'eau. En plus, c'est gratuit. Très gratuit même, voilà. Merci beaucoup. Nous allons spécialement parler aujourd'hui des tours préliminaires de la Coupe CAF et de la Ligue africaine des champions où nos clubs ASK et ASCO sont engagés. Et dimanche dernier, ASK recevait ASFAN, c'est-à-dire l'association sportive des forces armées du Niger, qui était à Kégé. Je ne sais pas s'il faut dire malheureusement, où ils ont accroché l'équipe togolaise, 2-2. Ouais. C'est un score piège. Hein. Un score piège en vue du match retour. Qui sera au Niger, donc c'est pas gagné d'avance. Voilà. Surtout que c'est une équipe qui a une très belle expérience de la Coupe CAF, notamment. Quand cette équipe a atteint en 2010, c'était la période dorée de cette équipe. Elle a atteint les quarts de finale pour la première fois. Ce ne sont pas des novices. Hein. Non. Ils ont une très, très belle expérience de la compétition. C'est ça. Et à ce niveau, ça joue toujours. Ça joue toujours. Maintenant, la question est de savoir si la SCK, par exemple, qui a aussi un vécu déjà dans cette compétition, a appris des dernières participations. C'est là tout le problème des clubs togolais. En général. Donc, on espère. Et là, c'est mal parti avec ce match nul. Une victoire même étriquée serait difficile. Mieux, mais difficile parce que à domicile, normalement, il faut cartonner. Il faut cartonner. Et ce dimanche, déjà 5 minutes, Akoro Bilal, au filet dans la surface de réparation, a été fauché par le gardien, penalty. Donc, on croyait que ça devait continuer sur cette lancée. Mais surprise, patatras, à la 30e minute, eux aussi, ils obtiennent un penalty. La marque des grands clubs,
c'est d'appuyer là où ça fait mal. Même en boxe, dans tout type de sport, quand vous sentez qu'il y a une faiblesse au niveau de l'adversaire, s'il faut en mettre 5, il faut le faire. Voilà. Voilà. Mais on a comme l'impression qu'un manque d'ambition au niveau de... C'est pas faute de ne pas vouloir le faire. On veut bien le faire, mais on n'arrive pas à mettre le turbo. C'est-à-dire sur 15 minutes, on met une pression énorme sur l'adversaire. Voilà. Quitte à mettre 3, 4 buts. Pourquoi pas? C'était prenable. Hein. Voilà. C'est la force des grandes équipes partout. S'il y a possibilité de mettre 5 buts à l'adversaire, il faut le faire. Et là, le problème de nos attaquants, c'est l'efficacité. Vraiment. C'est comme Pyramide qui a mis 6 buts à son adversaire hier. Et déjà, le moral est cassé pour le match retour. C'est ça. On avait cru à ce que vous venez de dire dans les 15 premières minutes que ACK pouvait mettre... Mais voilà, juste après ces 15 minutes, l'équipe adverse a pris confiance. Et il circulait la balle, ce qui a fait que le pénalty est arrivé sur le défenseur d'ACK. Ils ont égalisé. À force de subir. Voilà, ils ont subi et l'égalisation est arrivée de la part d'Elvis. Elvis qui a été le bourreau d'ACK hier parce que en deuxième période, on revient, c'est le même scénario. ACK marque un second but. C'est Akoro Bilal qui a signé son doublé hier dimanche. Et Elvis aussi plante un doublé parce que à 5 minutes de la fin. Il y avait donc match dans le match. Match dans le match. Bilal et pour, Elvis. Voilà, Bilal et Elvis. Et c'est ça. Si à chaque fois la SCK marque et se fait rattraper, et ça veut dire que en football, il y a 5 minutes. 5 précieuses minutes. Après avoir marqué un but, les 5 minutes qui suivent, souvent il y a un autre but. Voilà. Soit pour l'équipe qui a déjà marqué, ou l'équipe adverse. Voilà, parce qu'il y a 5 minutes de manque de concentration. Voilà. Pour l'une des deux équipes. Petit relâchement. Voilà. Donc quand vous marquez, il faut maintenir la pression. Voilà. C'est ce que la SCK n'a pas su faire. Voilà. Et maintenant, et voilà. C'est compliqué selon ce que nous sommes en train de voir parce que un match nul de 0-0 élimine ACK, un match d'un but partout élimine ACK. Ouais. Il faut au moins mettre 2 buts pour espérer aller au tir au but. Clairement, il n'y a qu'une option, c'est de gagner. C'est de gagner. Bah, déjà, ça rend la tâche pour moi. Dans la façon d'aborder un match, c'est plus facile d'aborder un match en se disant, voilà, nous voulons gagner. Option. Mais si vous êtes entre deux, on doute. C'est ça. Il faut attaquer, il faut défendre. Là, clairement, il faut attaquer. Qu'est-ce que Jonas doit faire? Qu'est-ce que Jonas doit faire dans ce cas de Pour de moi, figure. Jonas, avec tout le vécu qu'il a, il doit avoir un discours de la gagne. Voilà. Voilà, on va au Niger pour gagner. Donc, tout pour gagner. On n'a pas à jouer. C'est pas une question de science tactique. C'est ça. Il n'y a rien à perdre après tout. Parce que si vous faites match nul, vous êtes éliminé. Vraiment. Match nul 3-3, on ne va pas faire des calculs pour un match nul 3-3. Impossible, hein. Voilà, donc on ne va pas faire de calculs non plus pour une défaite. Donc, il y a la seule option. C'est de gagner. Et donc préparer. Même un but, un seul but et cadenasser, puis. Voilà, un zéro. Après avoir marqué, s'ils peuvent toujours avoir. Pas l'ambition les de. Erreurs. Voilà. L'ambition voilà. De gagner toujours, de marquer davantage. Il faut le faire. Donc, c'est si facile à dire au micro, c'est vrai, mais dans la façon de préparer le match, Jonas doit se dire que la SCK part au Niger pour aller gagner. Et préparer le match de cette façon. À l'interview, d'après match, il le disait, et je crois que nous allons le suivre. Sur le point hier, il n'était pas sur le banc. Il y avait un problème administratif. Donc, il a promis que c'est réglé. Et il se projetait sur ce match et disait que voilà, c'est l'option comme vous venez de le dire. C'est peut-être ça aussi le bémol hier pour l'ASK, parce qu'avoir son entraîneur sur le banc, ça peut galvanise, changer les choses. Voilà ce que nous pouvons dire par rapport à l'ASK qui s'envole
à la fin de la semaine pour y défier Alas Fan. Peut-être un truc à ajouter. Mm-hmm. C'est pas aussi surprenant de voir une équipe nigérienne aussi performante hein, que l'Alas Fan. Oui. Parce que justement, le MENA puise souvent de son football local. Voilà. Donc la crème du football nigérien se retrouve sur le plan local. C'est clair. Voilà. C'est clair. Et d'ailleurs, il y a des joueurs togolais qui ont souvent évolué dans ce championnat oui, nigérien. Oui, et ce dimanche, il y a Dafou Faras qui était à l'AS OTR, qui a signé son contrat tout récemment. Il a même joué en deuxième partie. Voilà. Donc, c'est vraiment c'est la crème des crèmes ouais. pour le club. Nous espérons que l'ASK ira renverser la vapeur là-bas. C'est un défi à remonter. Voilà, c'est un défi à remonter. Ouais. De l'autre côté, ASCO était en déplacement. L'association sportive de la COSA était en déplacement auprès de Deportivo Mongomo en Équato-Guinéen. L'équipe, le club Équato-Guinéen. Là-bas, on peut dire c'est un peu mieux parce que c'était aussi un match nul de 2 buts partout. Oui, mieux dans le sens où le club togolais était en déplacement. C'est ça. Et moi, de mémoire, sur les dernières saisons, je pense que ASCO a toujours fait de bons résultats à l'extérieur. À l'extérieur, voilà. Vraiment. Donc, est-ce qu'ils peuvent faire mieux à domicile parce qu'il y a aussi la pression de du domicile. Voilà. Et si ce n'est pas une pression qui vous inhibe, il faut qu'elle vous galvanise. C'est ça. Voilà, donc c'est avec ce mythe qui entoure le stade de Kégué depuis un certain moment. Pour le football local. Vraiment. Même pour le football local, ce n'est pas que la sélection. Même les clubs à domicile, c'est la pas, preuve, c'est pas la ça. Preuve est là, hier, ASK pouvait rapidement justement, porter. Mais à chaque fois, l'adversaire revenait. Donc il y a une pression psychologique déjà qui pèse sur nos clubs à domicile. C'est ça. Donc le résultat d'hier, c'est en griffe un bon résultat d'un point de vue contexte et tout. Mais en même temps, moi j'ai été un peu étonné de voir la presse togolaise dans le traitement de l'information dire que ASCO tient en échec le Deportivo. Le Deportivo a quelle histoire, quelle grande histoire avec ce club, quel vécu. C'est vrai, ils ont 5 titres au niveau national. Oui. Mais c'est pas le champion en titre. Bon, c'est le champion en titre au niveau de la Guinée équatoriale. Mais l'expérience du continent n'y est pas. Donc, pour moi, même sur les dernières saisons, on va dire, léger avantage à ASCO, qui est une équipe régulière sur le continent désormais, car gagnant souvent le championnat national. Donc, aller faire 2-2, pour moi, ce n'est pas forcément tenir en échec ce club, le Deportivo, parce qu'on pouvait même gagner. Hein. Je causais avec un du staff d'ASCO qui disait que le coach n'a pas, eux, ils n'ont pas vu. Ouais. Ils ont été surpris. Ils ont été surpris parce qu'ils ont cherché. Sur la toile, il n'y a pas d'informations. Donc, on espère qu'ils ont quand même découvert le club et que le match retour, comme vous venez de le dire. Mais certainement, le club équato-guinéen n'avait pas non plus d'informations sur ASCO. Hein. Voilà, ouais. C'est ça. Je crois que c'est vice-versa. Ouais. Et comme vous venez de le dire, Menya Singbe le disait, le président du club, il n'y aura pas d'excuse pour ASCO si ASCO ne franchissait pas cette barrière. Oui, moi, j'aime ce genre de déclaration. Ça témoigne de l'ambition déjà du club et ça rejaillit sur la performance. C'est ça. Je crois que ça va rejaillir positivement sur le club. Et maintenant, qu'est-ce que vous pensez que Amani Yao pourrait faire à domicile dimanche prochain, pour pouvoir contrer cette équipe de Deportivo Mongomo. Là, à contrario,
par rapport à l'ASCK, on se dit qu'il y a plusieurs options pour ASCO. Oui. Un match nul, 0-0. Oui, ASCO passe. Une victoire. Mais moi, je pencherais plus sur une victoire. Parce en voulant cueillir, c'est pas en cherchant le soleil, on peut peut-être avoir des étoiles. Voilà. Donc, il faut chercher une victoire à domicile. Voilà. Ça passe aussi par la mobilisation des supporters. Hein. Et ça, ce n'est pas toujours le cas. Mais cette anecdote, comme vous l'avez dit, ce n'est pas le cas au Togo. Vous voyez, hier, dimanche dernier, avec ASCK, c'était carrément les Nigériens qui ont pris d'assaut le stade de Kégué. Je peux dire, plus nombreux que les Togolais qui étaient derrière ASCK. Et tenez-vous bien, avec un geste d'un joueur nigérien, ça mobilisait, ça criait, contrairement... C'est le mal, quelque part, on ne le dit pas assez, mais c'est l'un des mots qui mine le football. Est-ce qu'il faut dire que le Togolais ne sait pas supporter son club, son équipe? Le Togolais est... Le supporter togolais ou le public togolais, c'est un public exigeant. C'est ça. Donc, quand ça ne marche pas, on ne voit plus ce côté supporter. Il faut le dire, hein, risque de blesser des gens, mais il faut le dire, même quand l'équipe nationale joue, dans un match de football, il y a des moments de flottement. Oui. Mais quand il y a ces moments-là, c'est là où on doit sentir le public. Voilà, pousser. Et ce n'est pas souvent le cas, malheureusement. Voilà. Le public est là pour d'abord pouvoir du beau jeu et tout. Donc c'est un public exigeant, il faut faire avec. C'est difficile pour nos clubs et pour l'équipe nationale. Donc il faut apprendre de ça. Voilà. Je lisais même sur la toile ce matin, il y avait que sur les derniers messages, on disait apparemment il y a un cri au stade. Et les gens ont cru que c'était le troisième but de l'ASCK, alors que c'était l'égalisation du Niger. C'est symbolique de ce que vous étiez en train de... C'est symbolique parce que franchement, c'est ce qu'on a vécu. Ok, je crois que vos prières vont accompagner les deux clubs togolais. Ouais, on espère, on va prier pour ça, mais il faut surtout travailler pour ça. C'est le travail, parce que Dieu est pour tout le monde. Ouais. Et il sent le travail. Tous, hein. Voilà. Merci beaucoup. Et il y a quelques jours, c'était le vendredi dernier, les éperviers tiennent enfin leur coach après les refifis de la fédération, du ministère. Finalement, Nibombé Daré, l'ex-défenseur togolais, a signé son contrat. Ouais. Pour moi, c'est une très très bonne nouvelle pour le football togolais parce qu'on a rarement vu un ancien joueur togolais avoir autant de diplômes. Oui. Daré a le même diplôme que Paolo Compagnie. Voilà, c'est ça. Qui est aujourd'hui entraîneur du Bayern. Oui. Donc, pour moi, il faut accompagner ce genre, il faut soutenir ces genres d'initiatives. Vraiment. Et apparemment, c'est un truc vraiment préparé de longue date. Oui. Mais là, j'ai été surpris que pour pouvoir installer Daré, qu'il y ait eu autant de difficultés. Vraiment. Et c'est ça qui m'écœure personnellement. J'espère qu'après la signature, que cette signature, ce n'est pas une bombe à retardement. À retardement. Et qu'il y aura... Que tous les esprits vont concourir au fait que Daré puisse réussir sa mission. Vraiment. Parce que ça va de soi. La réussite de Daré fait la réussite du football togolais. Togolais et de tous les anciens joueurs. C'est quelqu'un qui récemment était... C'est un formateur, Daré, aujourd'hui. Oui. Anelka est passé par son école, quelque part. Donc, aujourd'hui, on a... Je sais pas... On a une fleur... entre les mains, il faut l'entretenir pour que cette fleur-là ne puisse pas se faner. Vraiment. Pour que cette fleur ne se fane pas, il faudrait cette synergie autour de ce coach. Autour. Et,
que ce soit des anciens joueurs, mm-hmm. ses anciens coéquipiers, oui. je pense à Kader, oui. je pense à Jean-Paul Abalo, voilà. des gens qui ont déjà goûté à la chose, ici, aussi, qui peuvent apporter leur expérience, à Gassac aussi, même de loin, chez Emmanuel Adebayor. Ah oui. Et Daré, j'ai eu dire qu'il a, il a quand même approuvé, chez je parle de chez il a approuvé la nomination de Daré. On avait demandé son avis et il avait accordé. J'ai souvent discuté avec Chéhi et on sent quelqu'un qui veut à tout prix que le football togolais retrouve cette lettre de noblesse. Bien sûr. On était à la dernière CAN, on discutait et il me posait. Il était écœuré de voir. C'est-à-dire, il sent mais pourquoi le Togo n'est pas là. Il se pose la question et il me demande comme ça. Moi, je tombais des nuits. Puisqu'il m'a posé la question, simple Sénat, et il me dit, mais Sénat, mais c'est bizarre, mais on n'y est pas, quoi. Voilà. Mais comment on va faire pour être... Moi, j'étais étonné de voir Chéhi poser une telle question. Oui. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui veut... Que ça marche. Que ça marche. Et donc, c'est à Daré d'avoir cette sagesse-là de puiser de Chéhi, d'Agassa, de Kader, de Jean-Paul Abalo pour... relever le football. Et qu'il n'y ait pas des personnes tapies dans l'ombre pour pouvoir les diviser, parce que souvent c'est le propre du Togolais. Malheureusement, il y en aura toujours. Mais qu'ils prennent de la hauteur. Qu'ils prennent de la hauteur, voilà. Qu'ils sachent puiser, qu'ils sachent, comme vous le faites si bien, pasteur. Merci beaucoup. Et le 6 déjà, ça serait son premier challenge. Ouais, face au Liberia. Oui. Le Liberia, c'est une équipe sérieuse. Très sérieuse. Une équipe joueuse. Bon, je les ai commentés lors des éliminatoires Coupe du Monde 2022. Okay. Et c'était déjà une très, très, très belle équipe. Voilà. Là, c'est une équipe qui a encore progressé. C'est justement, pour les éliminatoires Coupe du Monde, c'est une équipe qui est très bien placée dans son groupe. Voilà. Ça veut dire qu'il y a matière à craindre. Mais le Togo, c'est le Togo. Le Togo, c'est le Togo. Et on espère que ça va passer le 6 pour au moins redonner cette joie au public togolais. La victoire du 6 sera un plus déclic. Importante. Vraiment. Parce que c'est un déclic, comme vous l'avez dit. Ça installerait véritablement Daré à la tête de cette sélection. C'est ça. Et ça ramènerait le public vers son équipe club. Nationale. Vraiment, merci beaucoup. Nous tirons vers la fin de cette émission. Et qu'avez-vous à nous dire pour finir? Ouais, que le football togolais puisse construire davantage sur des piliers solides. Voilà. Et ces piliers, je nomme la formation. Oui. Et si on a un sélectionneur qui peut être formateur, il faudra en profiter. Au maximum. Ouais. Et en début d'émission, on parlait des deux médicaments, l'eau et le sport. Davantage qu'on puisse se mettre au sport. Moi, je ne le faisais plus, pour dire vrai. Je fais mon mea culpa. Oui. Mais là, j'ai repris. D'accord. Et je me sens bien. Merci beaucoup. Chers amis téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission Sport et Santé. Et pour que nous soyons en santé, faisons le sport, buvons de l'eau, mangeons moins gras, moins sucré, et là, le Seigneur fera le reste. Amen. Merci pour votre attention et que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. Bye bye. Bye.